Et salut les potes, on se retrouve aujourd'hui dans le monde des ombres des druides, la zone plus communément appelée Sylvarden, et ce pour découvrir comment obtenir une monture. Celle-ci se nomme Coureur à l'eau de brume, une nouvelle licorne parmi tant d'autres. Mais trêve de bavardage, la monture s'obtient en réalisant la petite énigme du labyrinthe de la zone Maquis Voile de Brume. Le début du labyrinthe se situe aux coordonnées 31, 04, 54, 51. À l'intérieur de celui-ci, on peut voir des lanternes rouges et des lanternes bleues. Et la route est indiquée par les lanternes bleues. Elles sont généralement très bien cachées ou accrochées au-dessus de notre tête. Mais sur cette route, il y a énormément d'ennemis. Je vous conseille donc de prendre votre monture et de foncer sur le bon chemin jusqu'à la dernière salle où il y a la monture à récupérer. Arrivé là-bas, les aggros devraient disparaître. Mais en parlant de route, je vais pas vous dire tourner à droite, tourner à gauche ou autre. Je ne suis pas la voix de votre GPS que vous avez dans votre voiture. Mais il suffit de reproduire la vidéo qui passe en fond pour pouvoir y arriver. Si vous vous posez la question, oui, le passage du labyrinthe passe plusieurs fois dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre et correctement voir la route. Je vous conseille de revoir la vidéo si vous n'avez pas complètement compris la route. Mais voilà, une fois arrivé au bout, il vous suffira de tuer le boss. Faites attention de bien interrompre le sort qu'il lance, le boss n'est pas si simple que ça suivant notre stuff. Mais une fois éliminé, la monture sera la vôtre. Au final, son obtention est loin d'être compliquée. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment la choper, voici ce petit guide. Les potes, moi je vous fais des bisous, je pars à la recherche de tout petits secrets comme celui-ci. Je vous conseille donc de venir sur mon Twitter, sur mon Discord, et de venir me check sur Twitch. Tous les liens sont à la petite description, je vous souhaite donc un agréable moment, mais surtout, portez-vous bien et bye bye.